Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment utiliser une machine GNS3 pour effectuer vos tests réseau. Donc, j'avais déjà parlé dans une vidéo précédente de GNS3, j'avais présenté la configuration de base, j'avais présenté son installation. Donc là, je reviens pas dessus. On a déjà une vidéo ici qui est bien assez longue. Donc, si vous désirez retrouver ma vidéo précédente, il suffira d'aller dans la description de cette vidéo. Donc ici on va voir un emploi un petit peu plus poussé à partir de GNS3 au travers d'une VM et notamment avec l'emploi des templates. Donc sans plus attendre, je vais ouvrir GNS3. Je peux ouvrir un ancien projet ou créer une nouvelle topologie. Et puis on avait vu que les VPCS permettaient d'avoir un accès au réseau réel. Donc souvent, avec les VPCS, on n'a pas de DHCP. Donc on peut tout simplement configurer l'adresse IP avec IP, l'adresse CIDR et la passerelle, et derrière rajouter les DNS. Et là, on pourra faire un ping d'une adresse quelconque sur l'Internet. Donc justement, de toute façon, pour pouvoir configurer plus facilement cette machine virtuelle, il sera préférable d'abord d'ouvrir un projet. C'est pour ça que de toute façon, j'ai ouvert mon projet, j'ai vérifié que mon système fonctionnait toujours. Donc je vais aller dans les préférences, et puis on va laisser la partie serveur cochée. Donc on verra qu'on pourra modifier tout ça dans des prochaines vidéos. Et là, je vais utiliser une VM GNS3. Donc, je vais aller dans VM GNS3. Alors, on va voir qu'on peut la télécharger directement ici. Donc, on verra ça juste après. Et avant de commencer, justement, il nous propose de faire une machine virtuelle, soit sur VMware, VirtualBox ou encore sur une machine à distance. Donc, avant de commencer pour VMware, eh bien forcément, on va devoir faire un refresh pour avoir la liste des machines actuelles. Et là, c'est souvent le cas, on va avoir un problème avec le programme VMrun qui n'est pas installé. Alors, on n'a pas le genre de problème avec un workstation, parce que workstation travaille déjà à distance, donc il peut être géré à distance. Là, le VMware Player, pour pouvoir être géré à distance, eh bien, il faudra installer le VMrun. Alors si vous voulez le retrouver, j'ai bien sûr mis les différents chemins dans la description de la vidéo, mais vous pouvez taper tout simplement VIX API for VMware, donc là le VMware Player, et il suffit de demander où est-ce qu'on peut la télécharger. Donc là dans les drivers et outils, vous allez retrouver sur le site de VMware la possibilité de le télécharger. Alors c'est compliqué parce qu'il faut trouver la bonne version, il faut l'installer. Alors sinon, vous pouvez utiliser VirtualBox, mais VirtualBox, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins performant que VMware. Donc ici, je vais quand même le faire sur VirtualBox, parce que l'idée n'est pas spécialement de faire de l'utilisation, mais on verra dans des prochaines vidéos que là, cette fois, je vais même encore aller plus loin qu'une machine virtuelle. Je vais directement l'utiliser sur serveur. Alors on a aussi la possibilité de faire du remote. Alors le remote, c'est tout simplement un serveur distant. Donc en réalité, ici on va pas mettre remote dans cette fenêtre là. Pour pouvoir configurer les serveurs distants, on va dans l'onglet serveur qu'on a juste vu avant. Donc ici, j'ai utilisé VirtualBox et je vais cliquer sur télécharger. Donc à partir du moment où je clique sur télécharger, il va récupérer automatiquement les 500 mégas. Donc moi, j'avais déjà fait. On peut passer par là, mais vous pouvez aussi passer directement par GNS3, par le site de GNS3. Donc comme je l'ai déjà fait, il ne me reste plus qu'à faire l'extraction du fichier. Puisque quand je télécharge, il est compressé. Donc ici,
en téléchargement. Je vais le faire dans mon dossier download, mais de toute façon, on va le supprimer après. Il faut savoir que la VM doit obligatoirement être à la même version que votre GeneS3. Donc si vous avez comme moi un GeneS3 221, c'est pas la peine de prendre le 221, la machine ne démarrera même pas. Et en plus, il n'y a même pas moyen de l'ajouter, ça ne fonctionnera pas. Donc mon fichier OVA, s'il est déjà associé avec mon VirtualBox, il me suffit de double-cliquer dessus. Mais bon, comme ici j'ai utilisé un VirtualBox et j'ai un VMware Player d'installer, mon OVA est associé à VMware Player. Donc je vais le faire tout simplement à la main. Donc je vais ouvrir mon VirtualBox. Je vais ajouter un nouvel appareil. Alors c'est pas dans les VM qu'on va le trouver. Un OVA, en fait, c'est un système qui contient tout. L'OVA pour VirtualBox, c'est exactement le même OVA que pour VMware. Attention quand même, l'OVA de VirtualBox ne fonctionne pas sur VMware. Pourtant, un fichier OVA y est valable pour tout. Donc il faut bien faire attention, mais ça c'est bien propre à GeneS3. Donc, dans mon résumé, on va voir qu'effectivement la machine contient tout. Et quand c'est validé, je vais pouvoir ajouter ma VM. Donc, l'ajout de la machine peut prendre de quelques secondes à quelques minutes. En fait, ça va dépendre des performances de votre machine. Et quand c'est fini, je vais pouvoir réouvrir GeneS3. Donc, pour bien faire, je vais ouvrir un projet déjà existant ou créer un nouveau projet. Ça c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, ça va beaucoup plus vite, le serveur répond plus vite et bien mieux, c'est un projet ouvert. Et je vais de nouveau dans les préférences de mon GeneS3 et je vais aller directement dans VM GeneS3. Je vais sélectionner VirtualBox et là automatiquement il va aller chercher la machine virtuelle. Il va me proposer, comme c'est la seule machine virtuelle que j'ai dans mon VirtualBox, il va me proposer la machine. Et je vais sélectionner ma VM. Alors par défaut, je vais le laisser comme il est là. Il est proposé en headless mode. Donc c'est-à-dire que il va démarrer, mais directement en arrière-plan. On n'aura pas l'affichage de la fenêtre qui correspond à la VM. En réalité, il s'occupe de tout, de toute façon. Donc on peut le laisser sur ce modèle-là. Sinon, si vous le décochez, eh bien, à chaque fois que vous allez lancer GeneS3, vous allez voir votre VM apparaître. Donc ça, c'est pareil, c'est une question de choix. On peut sélectionner le port, on va le laisser par défaut. La mémoire, donc c'est pas la peine d'aller bricoler la machine virtuelle, en fait. C'est ici que vous allez changer le port, la mémoire, le nombre de cœurs. Donc là, justement, on rajoutera probablement de la mémoire ou des cœurs en fonction de ce que vous allez faire avec votre VM GeneS3. Donc comme ici on va utiliser la VM GeneS3 principalement pour tout, et bien on va lui rajouter plus de cœurs, plus de RAM. On va laisser le démarrage ou l'arrêt en automatique. Donc ça c'est une question de choix. Et si on a fini, on va valider. Alors le premier démarrage de la machine va être un petit peu plus long. De toute façon, c'est bien une machine qui vient d'être récupérée en automatique. Il va falloir finir d'installer les différents matériels. Il va falloir installer, configurer la VM en fonction de votre matériel actuel. Donc justement, on va ouvrir mon VirtualBox et puis on peut voir qu'elle est démarrée effectivement en arrière-plan. Et bien je vais double-cliquer directement sur la machine de manière à l'ouvrir. Et là on va voir que quand elle va être démarrée, et bien en réalité c'est une machine Ubuntu. Alors justement, c'est une machine Ubuntu qui nous propose l'adresse IP, on va avoir un accès au menu. Et là vous allez tout de suite vous dire, ah bah tiens, il y a une adresse IP, j'aimerais bien y accéder.
Donc en réalité, cette adresse IP qui est donnée, cet accès SSH et HTTP, c'est principalement pour une utilisation en tant que serveur qu'on verra la fois prochaine. Donc c'est pas la peine d'essayer de la bricoler. Une machine virtuelle, donc la machine VMGNS3, doit obligatoirement avoir au moins une carte en host only. Et l'adresse IP qui est affichée ici, c'est l'adresse IP du host only. Donc en réalité, telle qu'elle est là, eh bien ça sert à rien d'utiliser cette partie du menu qui va avec notre VM. Donc le menu, l'emploi de la machine à proprement parler, on le verra dans une prochaine vidéo. Ici, l'idée est vraiment de voir comment ça marche en général. Alors on ferme la machine, on va la laisser tourner en arrière-plan. De toute façon, elle va être arrêtée avec GNS3. C'est ce que j'ai sélectionné, un arrêt et un démarrage automatique. Et je reviens dans ma topologie. Et là, cette fois, je vais ajouter un nouveau VPCS. Alors l'idée n'est pas d'ajouter un nouveau VPCS, parce que si c'est juste pour rajouter ce type de machine, ça sert pas à grand chose d'utiliser une VM GNS3. On va voir que l'utilisation de la VM GNS3 va beaucoup plus loin que ça. Donc là, quand je vais rajouter une nouvelle machine, comme j'avais laissé le serveur et la VM d'activer, il va me proposer de créer le VPCS, soit sur la VM, soit sur mon serveur. Donc là, ça paraît, c'est une question de choix. Les deux fonctionnent exactement de la même manière. Si vous sélectionnez la VM, et bien en réalité, c'est la VM GNS3 qui va s'occuper de tout. Mais vous allez voir que justement, si c'est juste pour ça, c'est pas très avantageux. On verra plutôt les avantages juste après. Alors, on va aller développer les différentes machines. Si c'est pas fait de toute façon, ben vous cliquez sur la machine. Et on pourrait faire pareil avec le matériel. Donc ici, j'ai sélectionné machine, mais vous pourriez très bien sélectionner le matériel à proprement parler. Et puis là, je vais cliquer sur ajouter un nouveau template. Donc là, on a le choix dans l'ajout. C'est pour ça que je disais, c'est exactement le même menu, que vous soyez dans matériel ou que vous soyez dans les machines, on aura exactement le même choix. Donc on a le choix d'ajouter de toute façon par GNS3 ou de l'ajouter depuis un fichier ou encore en manuel. Donc le manuel, on le verra la fois prochaine. Ici, ben on va déjà regarder par fichier. Donc si vous voulez ajouter un nouveau template par fichier, il suffit d'aller chercher sur internet download appliance GNS3 et vous allez vous rendre directement sur le site de GNS3 qui va vous proposer tout un tas de templates possibles. Alors c'est une solution, mais vous allez juste télécharger un fichier de quelques kilos qui contient les caractéristiques du template. Donc de toute façon, on devra quand même le télécharger. Donc ici, je vais le télécharger comme il est proposé et comme il est préférable. Je vais passer par le serveur. Alors il faut être aussi curieux, hein, il faut aller voir dans les possibilités, parce que justement, quand on va développer tout ça, on va voir qu'il y a quand même beaucoup de choix. Vous l'avez vu sur le site, il y a vraiment un choix qui est énorme. On ne peut pas faire le tour de tout. Donc on a le choix entre pare-feu, switch, routeur, des postes clients. Chacune des catégories propose aussi de le faire par conteneur, par Docker, par QMU, donc machine virtuelle, ou Dynamips. Donc le Dynamips, on l'avait vu la fois dernière. Donc c'est pour un type de processeur particulier. Et si on est dans de la découverte, si on commence à faire le tour de tout, c'est pas fini. Là, il faut vraiment être curieux et puis aller cliquer sur les uns et sur les autres, installer l'un et l'autre pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc ici, je vais aller dans les clients parce que c'est, il faut commencer quand même par là. Je vais commencer par créer un client. Avant de commencer à créer du matériel avec tous les problèmes d'utilisation du matériel, je vais juste commencer par créer un client. Et là, pour aller un petit peu plus vite, parce que c'est plus facile, c'est plus rapide, eh bien, je vais choisir un
client Ubuntu Docker. Alors ici, justement, on n'a pas le choix, il va me proposer de l'installer sur la VM, puisque de toute façon, pour pouvoir installer une image Docker, il faut que Docker soit installé. Alors, ne vous souciez pas de Docker, de toute façon, c'est la machine GNS3 qui s'occupe de tout. Et là, ça va très vite, de toute façon, puisque il suffit juste de télécharger le chemin de l'image. Donc en réalité, ça se fait en quelques secondes. Dans la topologie, dans un premier temps, je vais glisser ma nouvelle machine, donc mon Ubuntu client, je vais le glisser dans ma topologie. Donc la première fois qu'on le glisse dans la topologie, dans un premier temps, il va devoir faire un pull, il va devoir aller chercher l'image. Mais l'image ne fait que quelques dizaines, ou tout au plus quelques centaines de mégas. Donc après quelques secondes de téléchargement, donc ça va dépendre forcément de l'image, ça va dépendre du type de conteneur, ça va dépendre de votre connexion. Donc après quelques secondes, une fois que l'image sera téléchargée, elle va rester dans la VM. Donc là, la première fois, ça va prendre du temps. Et pour les autres machines, il suffira juste de glisser, ça prend. Même pas une seconde, c'est juste le temps de créer le nouveau conteneur. Et là, je vais lancer mon conteneur. Alors, comme c'est un conteneur, ça va très très vite. On n'a pas de démarrage. Il utilise directement le noyau de la machine GNS3. Donc forcément, c'est quasiment instantané. Et je vais commencer par aller mettre l'adresse IP à la main. Donc on verra après que on peut le faire dans la configuration. Ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Donc je vais mettre l'adresse IP à la main. Je vais éditer le fichier interface. Alors on voit aussi que c'est des anciennes versions de d'Ubuntu. On est encore avec un fichier interface. Sur les nouvelles versions d'Ubuntu, on pourra avoir un fichier netplan. Donc ici je vais modifier mon fichier interface. Et là, contrairement à une machine classique, c'est pas la peine d'aller chercher le service network, il n'existe pas. Il n'y a pas de système CTL existant sur la machine. Donc pour pouvoir récupérer l'adresse IP, on n'a pas d'autre choix que d'arrêter et redémarrer le conteneur. Mais c'est pas une machine virtuelle, c'est un conteneur. Ça s'arrête, ça se redémarre. Pas besoin d'attendre de 3 minutes que le système s'arrête, ça se fait automatiquement. Donc forcément, je vais arrêter et redémarrer mon conteneur. On verra justement que c'est peut-être plus facile de le mettre dans la config. Et là, je vais pouvoir essayer un ping, tester l'adresse IP. Donc le conteneur, c'est quand même un système qui est léger, c'est rapide et ça reste un vrai système. Alors ça peut être aussi intéressant, maintenant qu'on l'a fait avec les conteneurs, le conteneur n'a pas d'interface graphique. Donc ça peut être intéressant de le faire avec des VM complètes. Donc là on va aller chercher une VM au travers de QEMU, un OpenSUSE par exemple. Et puis là quand je vais sélectionner mon OpenSUSE, on va voir que j'ai différentes versions. Et là il va falloir les télécharger. Alors on va quand même jeter un œil au passage à la taille, on voit quand même que là on n'est pas dans quelques centaines de mégas, on est tout de suite avec des images qui vont faire plusieurs gigas. Généralement on va devoir les télécharger, donc suivant les essais, et justement c'est pour ça que je disais bien faites vos essais, suivant les cas, des fois il faudra télécharger, des fois il faudra s'inscrire, des fois il faudra faire un choix parce que on aura plusieurs choix dedans. Et en plus, eh bien, le téléchargement peut être long puisque ça dépend des fournisseurs. En réalité, on va récupérer une image VDI ou un VMDK où on va retrouver du OCW. On peut le retrouver sous forme de fichier ISO. Des fois, il y a le MD5 qui ne correspond pas parce qu'on n'a pas téléchargé la bonne version. Donc là, il va falloir quand même faire pas mal de d'essais derrière pour voir qu'est-ce que ça donne.
Et on peut aussi, des fois, tout simplement importer. Donc il suffira, après, une fois qu'on aura téléchargé, d'importer directement une image. Donc si vous avez déjà des VDI, des VMDK sur votre machine, vous pouvez aussi aller directement chercher un VDI, VMDK. Donc là, on le verra, des fois, l'import peut être très très long. Et puis, ben, on le verra aussi la fois prochaine, on peut avoir des machines virtuelles qui font jusqu'à 20 Go. 20 Go à 30 mégasecondes, ça va quand même prendre du temps. Donc je vais faire mon téléchargement, je vais lancer mon import et je vais attendre le recalcul du MD5. Donc on va se retrouver dans quelques secondes, parce que l'idée n'est pas non plus de vous faire attendre 10 minutes que le système soit téléchargé. Donc comme je disais, une machine quand on va l'ajouter, eh bien le MD5 peut être différent. Vous avez vu aussi que on peut changer et créer une nouvelle version, pourquoi pas, puisque de toute façon là, quand on télécharge et notamment le OpenSUSE, et c'est valable pour pratiquement toutes, si on avait téléchargé Ubuntu Desktop, ça aurait été exactement la même chose. L'Ubuntu qui est proposé dans les templates est tard, je crois, la version 19.04, mais depuis 19.04 on a eu la 19.10 et puis on a eu la 20.04. Donc en réalité on peut aussi créer sa propre version, mais tout ça on le verra la prochaine fois. Donc quand c'est fini, je vais retrouver ma machine dans la liste des machines qui sont disponibles et là je vais l'ajouter à la topologie. Alors on peut aussi éventuellement la reconfigurer, lui mettre un petit peu plus de mémoire, un petit peu plus de CPU. Donc on verra justement tout ça la prochaine fois. On peut changer aussi la console. Alors pendant qu'on lance la machine, et là c'est ce que j'y disais, on tourne sur un VirtualBox en local, sur une petite machine, ça risque de prendre plusieurs minutes le temps que le système démarre. Donc justement, pendant que le système démarre, on peut aller voir les informations. Et justement, dans l'utilisation, comme c'est une machine téléchargée, on ne sait pas d'où est-ce qu'elle vient, on ne sait pas comment elle démarre, eh bien, on va retrouver le login et le mot de passe. Et ça, en réalité, ça dépend de la personne qui a mis en ligne ce template. Des fois, vous allez avoir toute une liste d'utilisation avec tout un ensemble de commandes. Et là, c'est toujours pareil. On va installer un template de 3, mais de toute façon, on ne va pas faire les dizaines de templates qui sont disponibles, sans parler de tout ce que vous pouvez faire manuellement. Alors on va attendre, c'est très 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 long à démarrer. Ici, justement, une OpenSUSE, c'est loin d'être léger. VirtualBox, c'est pas vraiment l'idéal. J'ai pas une très grosse machine pour faire ma démonstration. Donc là, on verra la prochaine fois sur serveur que ça va aller beaucoup, beaucoup plus vite. Alors, on peut aller voir aussi dans les préférences. Et là, on va retrouver, pareil, donc QEMU, la machine qu'on vient d'être ajoutée. Donc là, justement, la prochaine fois, on verra aussi comment manipuler les images de QEMU. Donc on va aller dans Docker et c'est pareil, on peut ajouter un nouveau conteneur de la même manière, une nouvelle image. Alors on peut prendre celle qui est présente, donc là par exemple, eh bien on peut avoir plusieurs configurations pour une même image.
On va aller dans Ajout, Nouveau. On peut mettre une image du Docker Hub, si on veut. Si vous avez votre propre dépôt, votre propre registry, on peut aussi prendre votre image. Donc là, je vais pas m'embêter, je vais prendre un Debian Latest. On aurait pu prendre n'importe quoi d'autre. On va pouvoir changer les cartes réseau, si on veut plusieurs cartes réseau à notre conteneur. Donc tout ça, c'est toujours du virtuel. Hein. On peut rajouter du Telnet. Alors Telnet, c'est l'équivalent de PuTTY. En fait, Telnet va utiliser PuTTY. Et sinon, quand c'est une VM, on ira plutôt dans VNC. Et je vais rajouter mon conteneur. Donc, comme les autres, avant qu'on puisse l'utiliser, il va d'abord faire un pool. Et c'est pareil, une fois qu'on aura fait le pool, l'image sera dans ma VM. Une fois qu'il sera dans ma VM GNS3, il ne suffira plus que de le rajouter. On pourra créer autant de conteneurs qu'on veut. Alors, il faut savoir quand même que on peut mettre sensiblement 8 conteneurs pour une VM. Donc, si vous prenez par exemple ici ma machine qui est une machine GNS3 qui a 6 Go de RAM, vous pourriez mettre sensiblement une centaine de conteneurs avant de commencer à saturer la machine. Alors qu'en VM, vous ne pourrez pas mettre une centaine de conteneurs. Une fois que vous aurez mis une dizaine de machines, et encore une dizaine de petites machines, vous aurez déjà bien occupé votre machine virtuelle. Donc justement, j'ai rajouté mon conteneur, et puis, une fois qu'il est démarré, je peux faire un cat osrelease, donc un cat, espace slash etc slash osrelease, et on voit bien que la version qui a été téléchargée est bien la dernière version de Debian. Donc on a fait à peu près le tour, il ne reste plus qu'à attendre que mon OpenSUSE démarre. Donc après quelques minutes d'attente, qui peuvent être aussi des dizaines de minutes, je vais pouvoir me connecter. Je vais utiliser le login, le password que j'avais trouvé dans la description ou l'emploi de la machine. Donc là c'est pareil, ça dépend toujours de la personne qui a mis la machine en ligne. Alors attention quand même, le clavier est en QWERTY, ici c'est pas forcément gênant. On verra la prochaine fois comment modifier ce clavier par défaut. Alors la machine est quand même utilisable telle qu'elle est là, c'est quand même un peu long, même la connexion. Alors justement, Docker c'est quand même beaucoup plus pratique. Et justement, la prochaine fois, on verra comment avoir un système qui est utilisable et plus rapide. En attendant le démarrage, la connexion, on va quand même aller voir physiquement ma VM, donc ma VM GNS3, comment elle est stockée. Et on va voir justement que le choix du stockage, la destination de la machine peut être quand même important. Ici, j'ai une machine qui fait 7 Go et je n'ai mis que mon OpenSUSE à l'intérieur. On verra que vous avez des systèmes qui peuvent faire plusieurs Go, voire dizaines de Go. Donc on va très vite arriver à 30, 40, 50 Go de toute façon de stockage. Alors c'est important justement pour l'emplacement, pour la taille, mais aussi pour l'écriture, lecture, puisque tout ça c'est conditionné et ça conditionne le fonctionnement de la machine. Alors ici, c'est plus pour faire de la découverte, on peut faire le tour de la machine. La prochaine fois, on verra la configuration avancée, on verra comment utiliser des systèmes personnels.
Si cette vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas de liker, laissez-moi un tip sur tipeee.com LJP Info, abonnez-vous à la chaîne, tapez LJP Info dans votre navigateur pour retrouver mes documents. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Et on se dit à bientôt.